Bon, bah bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux. Mon cœur. Pour accueillir Mathieu. Moi, les basses de Mathieu m'ont beaucoup plu, à titre personnel, moi, en tant que tout petit bassiste, comme vous le savez tous, à tel point que j'ai fini par aller le voir et puis par en fabriquer une avec lui. Voilà. Bon, pour vous dire que je les trouve vraiment bien. Quoi. Voilà. Donc, en fait, je suis parti dans l'ébénisterie d'art. Donc, j'ai appris le métier d'ébéniste d'art. Et j'ai eu la chance de travailler avec des très très grands architectes comme Philippe Stark. Voilà, donc pendant presque 7 ans, tout en fabriquant des basses le soir pour... Puis après voilà, je me suis installé, mis à mon compte et commencé à fabriquer des basses, ça fait maintenant 10 ans. Voilà, ça c'est le modèle entrée de gamme qui s'appelle le modèle Alice. Donc c'est un modèle qui a un corps en ol, qui a une finition laquée, un micro jazz bass, enfin deux micros jazz bass, un préampli 3 bandes. Le but en fait c'est de se retrouver avec une jazz bass moderne, 24 cases, corps en ol. Une table en noyer, on a toujours le manche en érable. Alors celui-là il est en trois parties, par contre celui-là il est en une seule partie. La touche en érable, et là on a une finition qui est huilée cirée. Voilà, un bois assez naturel. Voilà, alors les micros c'est des doubles bobinages de l'anneau. Toujours le 3 bandes, le volume, la balance. La possibilité de passer en 5 bobinages, puis un actif passif. Une petite mazurka dans ma tête. Ça peut faire un type de morceau, ça, une petite mazurka dans ma tête. Thank you.
Merci beaucoup.